Donc bah ça a commencé là, ça y est. Ah bah Donc salut à bah tous. salut à tous. Je sais pas qui est là. Je crois qu'il y a Alex. Ouais, il y a Alex pour l'instant. Donc salut Alex. Salut. Hello. Et donc je vais en commencer tout de suite par envoyer une invitation à quelques personnes. Voilà. Envoyer une invitation de jeu. Voilà. Donc, Jean, je t'ai envoyé une invite. Et tu pourras envoyer une invite au reste des personnes. Salut Aziel! Comment tu Salut! vas? Ah, j'ai la voix qui bug. Salut! T'as la voix pétée. Un peu. Eh mais, ah ouais, toi, bah, alors, pour préciser, on est là sur la session de Morgane, Ah, c'est ma première là. voiture. C'est la seule Et. que je pouvais acheter. Ouais, elle a pas beaucoup de niveau et tout. Eh, attends, je dois avoir une bagnole gratuite là. Ah non, il faut un garage avant. Ouais, il faut un garage. Alors. C'est quoi qui fait ce bruit? Je sais pas. Alors, attendez. Allô? Y a-t-il quelqu'un? J'entends plus rien, en fait, dans le casque. Thomas? Ouais. Il est pas là, Jean? Ok. Je t'ai envoyé une invite, Jean. Ah, j'ai plus que ma caisse, Ok, hein. bah nickel. Bon, bah, je vous reprends tout à l'heure. Alors, bah si le live est lancé. Bon, je reprends le live. Donc voilà, petit réglage avec les personnes qui jouent avec nous. Donc il y aura Jean, Thomas et Eddie qui vont jouer avec nous ce soir. Et bah Raziel, si tu veux nous rejoindre aussi sur le serveur, re Charlie. Ah, Là. recharlie. Donc là, je vais rejoindre Jean avec la mini pourrie. Je vais enlever la capote aussi, bien sûr. Vas-y, fais-toi plaisir. Alors, pour préciser aussi au niveau de la latence. Il y a par rapport à ce qu'on fait 4 secondes d'écart par rapport à ce que nous faisons et ce que vous voyez. Et il y a 2 secondes. 2 secondes par rapport à ce qu'on dit et le gameplay. Parce que bah, comme d'hab, on capture via le boîtier d'acquisition Tidoc. HDBVR. Salut mon canard, comment vas-tu? Salut. Ah ouais, t'as reconnu Beat, direct c'est Tidoc. À qui ça peut être d'autre? Putain, je suis grillé. Ouais, t'es grillé, gros. Et donc, voilà, il y a 2 secondes de décalage à cause de l'opposition. Mais bon, ça passe. Il n'y a pas l'air d'y avoir de drop, en tout cas, c'est plutôt cool. C'est vraiment super cool. Je sais pas si on voit le nombre de drops qu'on a. Ah, si, il y a un peu de drop, hein, quand même. Il y a un petit peu de drop, mais c'est pas trop. C'est pas trop ouf encore, ça Je va. vois ça. C'est marqué en rouge en haut. Ok. Salut Jean! Ah, vous avez tous des belles bagnoles. Ouais, alors. Oui, ça saccade un peu à quelques moments, ouais. Il y a pas mal de Ah, drops. pourquoi c'est en pause? C'est un peu chiant. De quoi qui est en pause? Bah, je sais pas, il y avait une pause. Il y a Ah bah Jean qui s'est c'est mis, Jean qui est en hein. pause. Ouais donc Jean si tu peux amener Morgane dans un garage pour qu'elle achète un garage. Ok. Comme ça elle pourra se prendre au moins la Eligi comme voiture. Est-ce que pour le chat c'est bon les amis? Alors, il On va fallait dire. plus de son pour le jeu. Ah ouais, plus de son pour jeu. Non, c'était bon, plus de son. Je sais pas. Plus de son, il y avait Je vais écrit. voir. Je vais. Voilà. Bah tiens, reprends. Non, pas bon. Si, si, vas-y, reprends. T-Duck a repris son vrai pseudo. Donc, j'ai le casque aussi, c'est pour entendre un peu les gars.
Est-ce que au niveau du son du jeu, les amis, c'est bon? Ou alors, est-ce qu'il vous faut un peu plus de son? Pour le son du jeu, c'est good. Notre voix, je pense que ça va, ça le fait. Plus de son du jeu, ok. Je vous en remets un peu plus. Oh là, ça fait Je vous en mal. remets un peu plus dans les dents. Je pense que c'est pas trop mal là au niveau du son. Ça saccade l'image, ouais. Bah, chez nous aussi, là, je vois sur le live, ça saccade pas mal. C'est vraiment dommage. On pompe pas mort là. Hein. Bah ouais, on pompe pas mort, hein, c'est GTA et ça pompe pas mort. Ouais, mais ça saccade grave. Ça saccade à mort. Ça fait chier, Donc ça fait ici, je peux chier. acheter un garage. Non, c'est où qu'on l'achète? Si, si, tu vas devant le panneau Ah, et ok. tu fais, voilà, Mais acheter. j'ai trop pas assez, Je sais pas. Si, on regarde, non. Tu peux pas. Vas-y. Ah non, bah fais moi. Ah non, mais annuler. j'ai trop pas assez. Ah non, on peut pas acheter de garage dur! Ah non, faut Ça fait que... chier. Vas-y, je suis une star. Je refuse de regarder un truc comme ça. Ah, ah. Ouais, non, bah ouais, mais je suis en train de réfléchir à est-ce qu'on ferait pas mieux de. Parce que là, ça a l'air de moins dropper, mais en même temps, tu roules pas. Remonte avec, avec Jean et. Attends, laisse-lui faire le tour. Tu peux aller plus vite. Et vois, ouais, s'il faut voir, rouler à fond si ça drop à mort. Là, ça a l'air de plus trop dropper. Attends, on va voir comment ça va. Donc, salut Eddy aussi qui est dans le chat, mais il est aussi dans la partie. Je crois. Non, ah non. C'est qui? Il n'y a que Thomas qui est dans la partie. Pas Thomas et Jean. Donc, ouais, ça saccade. Bah on fait quoi? Je sais pas, je pense qu'on va jouer en solo, c'est con. Ça fait un peu chier, mais on n'a pas la connexion pour se mettre en ligne pour tout, en fait. Alors, on est au whisky coca, Charlie. Un petit peu de whisky. Moi, je peux pas jouer avec deux. Ben, on est sur PS3, mon petit canard. Non, non. Désolé, toi, t'es sur Xbox. Eh oui. Bon, on va se la prendre, un de ces quatre. Ben oui, on va pas tarder à se prendre la. Du deadmatch, ouais, mais du deadmatch, ça changera pas en fait le problème par rapport à la connexion. C'est ça le gros souci. Ouais, il y a des moches de problèmes de connexion, Eddy. Ah non, c'est pas ça. Le drop, c'est par rapport à XSplit. Ouais, parce que Jean est en train de dire, c'est parce que je suis monté avec lui. Mais non, c'est pas ça. C'est que XSplit zappe plein d'images. Là, tu vois, j'ai déjà droppé plus de 1570 images. Je vais passer à 1660. 1600 images. Donc tu vois, c'est par rapport à la connexion en fait que nous on dépense en ce On moment. suit pas quoi. Bah ouais. Donc parce que là je vois sur le live ça saccade à mort, c'est juste dégueulasse. Ouais. Donc je pense qu'on va pas jouer en ligne. C'est con. Mais on pourra pas faire de live sur des jeux en ligne comme ça tant qu'on n'aura pas une connexion valable, digne de ce nom. Vivement qu'il y ait la fibre optique dans le coin, ce serait pas mal. Pas franchement, je ne pense pas parce que nous, si tu veux, en fait, notre play va quand même pomper de la connexion à mort, parce qu'en plus, la play ça pompe à mort. Voilà. Et puis, nous, il y a deux ordis, il y a bah oui, le live pompe déjà automatiquement, mais vu que j'ai il y a deux ordis connectés, tout ça, voilà, ça on peut pas trop. Non, je pense qu'on va arrêter le mode en ligne. On va. Ça, je craignais que ça se passe comme ça. Wow, super cascade magnifique! J'avoue. Génial, Jean, beau rattrapage. Je pense, ouais, on va passer en mode solo.
J'ai des petits temps, je m'arrête de parler parce que je m'entends en écho aussi dans le live. Ouais, je pense qu'on va jouer en solo parce que là, la qualité, elle est trop dégueulasse et j'ai pas trop envie de vous fournir un truc dégueulasse. Ouais, on fait quoi là? Hein? Non, ouais, on va. En plus, ça fait que des problèmes de son aussi, je remarque. De quoi? Bah regarde, ça coupe le son aussi à chaque fois. Donc voilà, on va recommencer, mais on va se mettre quitte le mode d'un on va couper internet de la console. Fait chier, dommage. Putain, vivement qu'on ait une grosse connexion. Ça m'emmerde, Parce ça qu'on m'emmerde. quitte le mode en ligne. Donc Oh, c'est où que alors tu attends, quittes le si mode en en plus ligne? il dit qu'il n'y a plus de son, mais moi je l'ai le son de mon côté. Ah non, mais c'est juste moi qui parlais pas. Ah si, En on vient fait, il y d'entendre, avait c'est du juste son. Morgane qui parlait pas. Ouais, ok, ouais, si, parce que je l'ai le son. Mais en tout cas, ouais, ça s'accabait à mort. Donc ce qu'on va faire, tu vas même retourner, bébé, dans le menu de la console, tu vas déconnecter la console. Déconnecte la console. C'est où réseau? Donc les gars, bah, je suis désolé. On va pas jouer en ligne ce soir. Par contre, demain, je crois qu'on va jouer en ligne ensemble. Parce que moi, franchement, GTA, je préfère grave y jouer en ligne. Parce que je l'ai déjà fini en solo et ça fait un peu chier. Du coup, on va pas se faire de online ce soir. Elle a quitté le jeu. C'est toi qui as fait quitter le jeu? Ah bah oui, non, mais ouais, pour faire ça, t'es obligé de. Je me rappelle plus ça. Voilà. Donc plus de LAN, plus de. On n'a plus rien. Bah c'est pas Normalement, grave. ça devrait moins laguer. Donc normalement là on va dropper beaucoup moins d'images. Les gars, je vais quitter aussi Skype. Je vous dis tout sur le chat si vous connectez sur le chat. Ou sinon, bah on se retrouve tout à l'heure ou demain. Ok, mais désolé encore, je suis désolé, je pensais que ça allait le faire, tu vois, parce que je sais que j'ai une connexion pas terreau-terreau. Mais je me suis dit on va tenter quand même. Mais non, ça passe pas. Donc désolé encore. Mais vas-y, bah on se retrouve sur le chat. Ok, bah à tout. Je vais déco Skype comme ça pompera moins. Hop, Skype en moins. Voilà. Bon. Donc là, normalement, ça devrait beaucoup moins Bah tiens, vas-y, je t'en dropper. prie, continue un peu du coup là. On va faire un peu de mode histoire, hein, du coup. Histoire. Ce sera aussi sympa, mais un peu moins délirant quand même. Enfin, moi, c'est un peu moins délirant pour moi. Je l'ai déjà fait. Pourquoi tu ne me le pardonnerais jamais, Tidek? Pourquoi? Tu pourras me le pardonner, t'inquiète pas. Ça le fera un jour. Là, je dois avoir du chocolat plat, énorme. Hein. Mais c'est trop bon. Comment ça Ah ouais, t'as mis Duck, ouais. Pourquoi t'as marqué Duck comme ça, exact? Il a raison, Charlie. T'as marqué qui Duck, bizarrement. Grrr, ça m'énerve, le FTP, c'est chiant. Comment ça, le FTP? C'est quoi ça, Raziel? Ok, c'est reparti. Ouais, c'est fait exprès, ok. Prochaine fois, je me laisse gagner à Worms. Je te pardonne. Ah! Ah! Bon, bah, on va faire un peu de mission. Hein. Bon, Non, là, t'as attends, l'embarras tiens, du commence choix. toi, parce que moi je veux juste J'en vérifier ai quand pas même fait énorme. Hein. si ça drop moins, du coup. Normalement, ça devrait beaucoup moins dropper. Bah, on peut Ça devrait être carrément plus fluide. Ah ouais, non, mais ça a rien à voir. Ça a totalement rien à voir. pas. Ah ouais. Ah bah oui. Et là, on a le décalage de Tiens, 4 Valère. secondes. On a vraiment le décalage de 4 secondes là. Ah oui, bah là, je suis content. Au moins, c'est bon. Malgré qu'on joue pas en ligne, c'est dommage. Mais vous avez pas de latence là. Enfin, beaucoup moins. Il y aura quand même un peu de drop, hein, mais il y en aura quand même carrément moins. Moi, je vois là, le drop au moins, c'est stoppé. Il y a plus d'image qui drop. C'est magnifique!
Même avec une connexion de merde, on peut y arriver, les amis. Oui. Ah, mais n'entends pas quand je veux tourner, espèce de con. Mais qu'est-ce qu'il a foutu, sérieux? Allez, en plus, je peux plus reculer. Là, c'est fluide, wesh. Wesh, c'est trop fluide. Je change de name et ce sera le seul changement. Bah vas-y, change hein, Charlie, hein. Fais-toi plaisir si tu veux. Et puis dites à tous vos potes de venir sur le live aussi, bordel de merde. Oh non, ils vont me voir conduire comme une merde. C'est qu'un détail. Pour info, je suis obligé de le dire, Morgane a voulu à tout prix se prendre des Kinder, mais les gros Kinder comme ça. Ouais. Donc du coup, on en a trois. Enfin, plus maintenant. On en a plus que deux. Ah, mais c'est trop bon. Et dedans, regardez ce qu'il y avait, c'est trop classe. J'ai trouvé ça super cool. Même si, pour le coup, j'ai trouvé les Kinder super chers. On a eu un petit Hulk. Ah, j'espère qu'on va avoir Iron Man dans les autres, il y a la classe. T'en veux? Ouais, un gros Kinder aussi gros que ma bite. Donc voilà. Alors, on a eu un petit Hulk. Et tout le long de la soirée. Ah, désolé si je suis en train de mâcher. Tout le long de la soirée, on va voir un peu au fur et à mesure, sauf si on a plus faim de chocolat. On verra ce qu'on a eu d'autre. C'est plutôt marrant. Et puis peut-être qu'on les enverra à quelques personnes, je sais pas. On en gardera un, on en enverra deux, non, je sais pas. Pour être marrant. Le petit concours de ce soir pour le live. Youhou! Ah, j'ai envie de le mettre en évidence. Eh, mais moi j'arrête pas de me prendre les poteaux là. Il va se casser la gueule ici, gros. Voilà, y'a rien pas. Oh, y'a une voiture, y'a une voiture. Oh, mais vous le voyez même pas en plus, ici. Il est tout petit! Il est minuscule! Grave. Tu veux un Kinder? Alors, je vais peut-être baisser un peu le son de parce que je m'entends en écho encore. Oh merde, j'ai déjà niqué la portière. Voilà. Bravo, t'as cassé la portière. Super, bravo, bravo. GG. Donc tu fais quoi comme mission? Tu fais le point d'interrogation là? Bah ouais, mais je crois que c'est au-dessus en fait. Ça, c'est des missions annexes. Hein. Ouais, je sais. Ouais, je sais. La dernière fois, elle était bien. Je me suis battue contre des aliens et tout. Bah justement, moi, cette mission-là, je l'ai pas trouvé super. Bon, attends, pourtant, c'est bien là, là. Une bonne app à ceux qui sont en train de manger. Je sais pas s'il y en a qui mangent. Moi, je vais pas trop tarder à manger, parce que... Hulk Charlie 78. Ah, 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 yes. Excellent. Hein, tu t'en rappelles de celle-là? C'est en haut, c'est quoi, là? Charluc. C'est Charluc. Charlie. Moi, ça m'indique là, mais c'est en haut, non? Si, peut-être sur la route. Mais par où on va? Bah, tu l'allonges, normalement tu vas avoir une entrée au bout d'un moment. Ouais. Faut que je cherche. Ou sinon, va à OM. Te fais pas chier, va à OM. Ok, ok, je vais à OM. Je dis M. Mais c'est qu'il est loin, le M. Sinon, j'espère, moi, que vous allez bien quand même ce soir dans le chat. Sur le chat, sur le live. Ceux qui nous suivent, même qui sont pas sur le chat. Ah oui, c'est vrai qu'avec mon PC, je ne sais pas pourquoi. J'ai. Aucune info de combien de personnes nous suivent actuellement. C'est dommage. Il faut que j'évite de faire des conneries vu que je suis en train de capturer le chat. Pour la rediffusion. Eh oui, il y aura une rediffusion. Je suis sûr que ça va, t'es combien dans ta tête là? Je suis combien dans ma tête hein? Je suis tout seul. Moi ça va pas. Pourquoi ça va pas? J'aime pas le bonheur. C'est de la merde. Le bonheur, c'est de la merde. De la merde à l'état pur. Non, c'est cool le bonheur. On est 6. Dans ma tête? Dans ma tête, on est 6? J'étais même pas au courant, tu vois. Je croyais qu'on était 4. Il y en a deux qui sont venus discretos. Ouais, ouais, c'est pas très cool. Walla, 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 walla. C'est le futur de l'été. Walla, walla, walla. Non, j'allais dire un truc, mais c'est pas cool. Je me retire. Non, non, non. Bah, ça, non mais je me doute. Le micro est super sensible. On risque d'entendre. Et après, on va me traiter de raciste. Alors que c'est pas vrai du tout. C'était juste une blague. Que je n'ai même pas fait d'ailleurs. Alors, rien à branler. Ah oui, tu es Michael. Donc oui. Tu vas chez Michael. Logique. Logique, je vais pas aller chez Michael. De la merde. Comme le pull jaune de Varandaise. Ouais, de Varandaise. Je suis d'accord. C'est un gros pull de merde.
Et j'ai encore la photo d'ailleurs. LOL! La photo? Là, je te montrerai, ouais. Parce que tu ne l'as pas vu, toi, encore, Robaz, comme il était petit. Non. Moi, je l'ai vu! Ça restera entre nous. Bon, alors, je vais faire un truc avec son fils, là, Ah, pour... Raziel! En fait, je voulais te demander, es-tu dispo demain pour tourner l'épisode de Minecraft à 19h? À 19h, tout le monde est OK pour 19h, il manque plus que toi. Tout le monde est OK pour demain, mais j'avais pas précisé l'heure, tu vois. Tu te masturbes tous les soirs devant cette photo. Là, ça devient inquiétant, mon petit Tidoc. Franchement. Parce qu'il est vraiment dégueulasse, son pull, franchement. Comment tu peux te masturber devant? Encore, il aurait un Marcel, je dis pas, tu vois, ça passe encore. Mais là, son pull en laine jaune, non, il est vraiment trop dégueulasse. J'aime bien Tidoc, comment il écrit merde. Ouais, mais c'est parce que c'est de la merde swaggy, c'est pour ça. Hier, j'ai eu Tu des penses? Ouais, c'est cool! C'est bon ça! C'est bon, c'est bon. Yeah, Franklin! On se retrouve avec Franklin! Et on va aller faire une mission. Il me semble qu'on va aller faire la mission de. De péter la baraque d'un mec. Moi, je vais être Trevor. Il est trop bien, Trevor. C'est plus tard que. Parce que Morgane, pour info, elle s'est mise sur GTA il y a très très peu de temps. Enfin, GTA 5. Il y a vraiment très très peu de temps. Ouais, et encore, je suis loin de me bourrer. Alors, salut à toi, Clermont-Ferrand. Hein? Clermont-Ferrand? Bah ouais, c'était marqué. Ah non, mais pourquoi ça me marque Clermont-Ferrand, machin? En fait, non, c'est Master of Kira. Master of Kira, mais c'est Jean! Pourquoi tu te connectes deux fois? C'est bizarre. Non, là, ça va être la mission du Ghost Michael sur le bateau. Ah ouais, yes, elle est géniale cette mission, tu vas voir, tu vas kiffer. C'est digne d'un film hollywoodien. Alors, je vais me permettre de monter un petit peu le volume. C'est parti. Ça nous va là? Moi, ça me va. Surtout, n'hésitez pas à nous dire sur le chat, même si c'est dégueulasse, que bah c'est dégueulasse parce qu'il y a un écho, parce qu'on a monté le son. Tu bugs, c'est pas de ta faute. Ok. Ouais, non, mais au moins c'est bien toi, quoi. Je sais que c'est toi maintenant. Donc ça va. En même temps, Master of Kira, c'est ton pseudo Google. Donc, forcément. Salut Jean. Comment tu vas? LOL. Haha, c'est super drôle, vous étiez sur Skype il y a 2 minutes. Quand même. Tu serais-tu Alzheimer aussi comme moi? Tu me colles vachement. C'est toi qui me colle. Wow. Le défi ce soir, tu vas jouer avec moi comme ça. Mais non, mais regarde, moi j'ai déjà une épaule qui sort du cadre. C'est C'est toi vrai, qui me c'est colle, vrai, hein. c'est vrai. Mais t'as une épaule qui sort. Là, c'est bien là. C'est moi, ce connard. Non, je déconne, je suis même pas ouf. Mais non, mais c'est pour tous ceux qui connaissent Super Connard en fait. C'est un youtubeur qui est comme ça. Il est super drôle. J'aime bien. La petite aigle, je mange de la compote. Arrête de te foutre de ma gueule! Tiens, ça commence en plus là, tu vois. Merde, il m'appelle! Ton fils qui t'appelle. Tu manges de la compote. Moi, je vais pas tarder à manger mon sandwich. J'aime bien les sandwichs. Même si là, j'avoue que c'est dégueulasse, c'est un sandwich triangle. Bien dégueulasse. Mais j'ai une super salade là. Bah, j'ai une salade aussi. Mais vu que c'est vendredi, voilà, on s'est dit, on va prendre des petits trucs tout fait vite fait. Tu es de bonne humeur, Jean, aujourd'hui. Charles-Hulk! Mais Jean est toujours de bonne humeur, enfin, on est tous toujours de bonne humeur. C'est la bande des gens. Ah Attends, non, je c'est vais la te... balade, merde, je me suis craqué. Il fait partie de la bande des gens heureux. Tu veux qu'on sorte sa baraque là? On par la porte d'entrée? Oui, la porte d'entrée. Quel est con! Eh, j'ai trouvé la porte d'entrée. John, salut à toi John. Hello John. Hello John. Ça me fait penser au truc de Broforce. Pour demain, les amis, sur notre chaîne YouTube, il y aura le test gameplay sur Broforce. Ouais! Un jeu qui fait tout péter avec plein de stars hollywoodiennes. Oh, ça déchire! Il est sympa, ça. Ouais, il est marrant, il est cool. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup.
Bon, je vais essayer de pas me manger tous les trottoirs et tous les poteaux et tout ce que tu veux. Ouais, je vais essayer de pas me manger tous les trottoirs et tout ce que tu veux, mais t'as pas cité les voitures et pouf, tu te prends une voiture. C'est magnifique. Mais non. Ah là là. Faut qu'on fait tout péter, ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà, voilà. Faut tout faire péter, mon colonel. Non, il est vraiment cool ce jeu. D'ailleurs, merci Raziel de m'avoir donné le titre hier, parce que je me souvenais plus c'était quoi le titre de ce jeu. C'était cool. Oh, c'est bien marré en tout cas. Ouais, ouais, on s'est bien marré. On a fait un peu de la merde, mais on s'est pas trop mal débrouillé. On a fait un peu de la merde aussi quand même, les membres. On s'est pas trop mal débrouillé. Ah. Ouais, ça va, ça va. Eh, c'est cool. C'est week-end de 3 jours. Ah ouais, j'ai un week-end de 3 jours et la semaine prochaine, il y a encore juste une semaine de 4 jours parce qu'il y a un jour férié encore. Et c'est pour ça aussi, hein, lundi de Pâques, les Kinder. Et après, je suis en vacances. Je suis en vacances après. Ouais, t'es en vacances une semaine pour le Stunfest. Youhou! Youhou! C'est ça qui est top. Ah, attends, faut que je suive quelqu'un. Et pour le Stunfest, hein, on fera un petit truc. Comme on a fait pour le Toulouse Game Show. On essaiera de voir quelques guests. Et de s'amuser un peu avec eux, enfin du moins de les faire jouer un petit peu sur la Game Boy. J'ai prévu un autre petit jeu, tout ça, ça va être super sympa. Et on va bien s'éclater et le samedi soir. Tout seul. Il va y avoir. Derrière moi. Ok. Il va y avoir un super concert le samedi soir, ça va être juste génial. Ça va être excellent. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est fou! Alors, Phil Dam. C'est un malade! Mais c'est un malade! Gérald. Mais c'est complètement dingue, il y a toutes sortes de personnes qui se connectent, qui se déconnectent du chat, c'est fou. C'est pas Charlie? Non, je Charlie, rigole, c'est Sherlock. Sherlock. Et c'est très bien trouvé, Sherlock. Ouais, Sherlock, c'est pas mal. C'est oh, oh Renabila! Salut Jean! Salut Jean! Donc en fait, il faut savoir que Nabila, c'est Jean. Donc il a une bonne paire de pip. Et donc voilà. Alors, je dis ça, j'en sais rien. Quoi, faut que je tire. Quoi, mais non, trace. Et il y a écrit tirer sur le machin. Eh bah tire sur le machin. L1 pour tirer et R pour viser. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Lâche mon truc. Ah, c'est horrible. Donc voilà, tu vois, t'as compris comment faire? Ah non, bah ça y est, t'as plus besoin. Tu peux poursuivre maintenant, c'est bon. C'est bon. Alors, Léa, coucou les gamers. Salut Léa. Salut Léa. Alors, pour, ça défile. Oh là là. Tidal, bonjour Léa. Relais chou, Nabila. Alors, attends. Parce que... Ouais. C'est pas... Ah, faut que je le récupère, ok. Il y a Ken, il va y avoir Barbie. Allez. Ça va être le bordel sur le chat ce soir, je le sens bien. Non, en tout cas, je suis super content. Nos émissions, c'est qui est-ce? Depuis qu'on a déconnecté la console de l'internet... Non, c'est même pas que ça lag plus. On était, c'est simple, à... On a commencé le live, on a dû faire même pas 10 minutes en étant online. On a droppé quand même 1892 images. Et depuis qu'on a stoppé, nous sommes toujours à 1892 images. C'est merveilleux, j'adore. C'est cool, ça lag pas. Donc, si ça lag, ça vient de chez vous. Je suis désolé. Après, par contre, clairement qu'on est en 480p, on n'a pas de connexion pour faire plus. Donc, si vous trouvez l'image en grand écran un poil dégueulasse, nous, là, on n'est pas en grand écran sur l'ordi pour observer le chat et le live, comment ça se passe. Mais... On est presque tout l'écran et c'est pas si dégueulasse, mais réduisez un petit peu votre écran si vous trouvez la qualité légèrement pas très très bonne. Alors c'est pas TI6 Duck, c'est T-Duck tout court. Voilà. TI6 Duck ce serait plus un... Ça, moi TI6 Duck ça me ferait penser genre à T-1000 et tout. Un robot de Terminator, ouais. Le souvent des machines. Et puis ça, ce serait une nouvelle sorte de robot. Le TI6 Duck. Le robot qui, quand il te pète la gueule, il fait coin coin. Et ouais, ce serait sympa. Putain, ma voiture, elle fume là. Ça va être la grillade bientôt. Ça va être la grillade. Ouais. Ah, t'as des bonnes expressions toi aussi. J'aime bien. Ouais.
Quoi? Pourquoi? Attends, je vais juste vérifier aussi, au niveau du son du jeu. Allez, avance, titine! C'est pas mal au niveau du son du jeu. Voulez-vous que je monte un tout petit poil, genre un poil pubien, quoi? Basile. Pourquoi on t'appellerait Basile, Didek? Moi, je veux bien que tu montes un peu le son. Bah, je monte un peu le son. Rien que pour toi, ma petite Nabilouche. Alors, est-ce que ça va être bon, là? J'écoute un peu, quand même. Allez, eh, c'est chiant de rouler avec une voiture qui avance. Le prénom Basile te fait rire. Moi je veux bien. Non, c'est pas la bonne. De quoi tu crées un site pour vous? Tu crées un site pour vous qui? Nous? Raziel, explique-moi. Et qui fais-tu? Tu crées un site de cul, quoi? Quand même pas, eh oh. Eh oh, eh oh. Donc le son du jeu, c'est pas mal, là. Ben oui, patate. Un site de cul. Un site où on verra ma bite. Lundi, des patates mardi, des patates... Ok. Ouais, je sais pas, il a parlé de patates, ça m'a fait penser aux patates. Allez, on va arriver à notre point de rendez-vous. À notre point de rendez-vous. Et voilà, tu es arrivé. Mais tu regardes ta carte. Oui, non, je regardais pas ma carte. Mais tu t'y fais. Tu fais demi-tour. La fille fait n'importe quoi. C'est ah, les femmes et le sens de l'orientation. Oh, les femmes. Nanana. Alors. Un site pour LM, mais t'es sérieux, mais qu'est-ce que tu fais un site pour LM? Y'a quoi à dire sur notre site? Y'a rien à dire. Mais un site, c'est cher à faire. C'est clair. Ou alors, tu connais le langage HTML et tout ça machin, bidule, je sais pas trop comment ça fonctionne ça. J'ai jamais trop tardé là-dessus. Mais tu crées un blog plutôt, pas un site. Oh, je suis trop content, on est toujours à 1892 images droppées, donc il y en a plus de drop. C'est fini, plus de drop. Zoup le drop. C'est ma gorgée, là. Un truc qui est la véhicule, il faudrait le faire réparer. Et c'est ma voiture maintenant. Ah non, faites réparer la voiture. Raziel, il connaît le C++. Non, mais t'es sérieux, t'as un logiciel pour faire un site? Ah ouais. Bah tu me montreras ça après le live, vite fait, je suis curieux. Mais te casse pas le cul à nous faire un site, hein, dans ce cas-là, s'il y a des trucs et que c'est tout con à faire, moi je vais le faire moi-même. Donc ça c'est ma... Moi j'aime bien créer des petits trucs. C'est ma voiture ou pas? Ah mais là en fait t'es dans le mode solo. Tu piques une bagnole, tu vas refaire les plaques et aller à toi. T'as compris? J'ai compris. Et en plus, dans le mode solo, ce qui est cool, c'est que l'argent, ça peut couler un peu à flot. Et puis si on se fait un peu chier d'ailleurs, on pourra même faire les codes. Parce que moi, je le connais vraiment bien le jeu, je l'ai déjà fini. Donc, Je vais juste refaire la peinture pour le moment. Tu risques de dormir quand le live sera fini. Tu te lèves à 5h, oh dur, tu bosses ce week-end. Tu te pèteras la redite. Merde, je l'ai acheté, je voulais pas l'acheter. C'est trop moche! Tu te pèteras la relief, bah refais tes bas de caisse en tout cas. Eh mais c'est moche, je veux passer de couleur moi! Bah rechange! Si on faisait de l'argent, tu vois, on va en avoir un paquet hein! Oui, qu'est-ce qu'il y a, Tidek? Ouais, tu bosses demain, putain! Qui c'est qui bosse demain? Raziel, bah en même temps, ils vont peut-être te faire bosser les week-ends avant le week-end du Stunfest, s'ils te laissent le week-end du Stunfest. Ils vont peut-être te faire bosser avant, du coup. Non, mais qu'est-ce, connard?
T'es un bon gros connard, mon canard. Oh là là. Il faudra que tu refasses tes badcasts et tes rétros parce que c'est dégueulasse. Ouais, ouais. C'est vraiment dégueulasse. C'est pas mal comme ça. Ça a de la gueule. C'est pas mal. C'est soit ça, soit je me prends rose, rose bonbon. Pourquoi t'es avec le fils de Michael? Parce que c'est comme ça. Fallait okay. que je répare la bagnole et tout. Ok, ok. Je vais la refaire. Et surtout aussi, je voulais vous dire, si à un moment, vous n'avez plus de son, de toute façon, j'ai le casque ouais, à côté, bon, je peux écouter à chaque fois. Ça, hein. Mais je ne vais pas mettre le casque à chaque fois, écouter, arrêter d'écouter. Ou alors, je le mets à côté de moi, comme ça. Je fais ça. Je peux faire comme ça. Je peux me mettre comme ça et juste faire ça de temps en temps. Ouais, mais ça me fait chier de temps en temps faire ça. J'ai pas envie d'avoir autour du cou. Donc, si vous avez plus de son, dites-le direct dans le chat. Paf. Et comme ça, moi, je relance le stream. Parce que je sais pas pourquoi la semaine dernière, ça buguait. Alors peut-être qu'aujourd'hui ça ne buggera pas et peut-être que par l'avenir, enfin à l'avenir ça ne buggera plus. Ouais, de toute façon j'ai plus de thunes. Toi debout à 4h45 aussi, waouh, dur. Dur, dur, dur. Bah vous. Après, mais j'ai du mal à parler moi cette soir. Vous pourrez vous mater la rediff, parce qu'il y aura une rediff. Comme tous les lives, en fait. Ah, toi aussi debout 6h. Putain, en fait il y en a pas beaucoup qui vont rester tard ce soir. C'est dommage. Et moi j'ai 3 jours de week-end. Ah ouais, c'est le week-end de Pâques, putain. Vous êtes pas en week-end, le week-end de Pâques. C'est un truc de fou. On est plus en France là. Tout le monde travaille le week-end de Pâques. ouais, c'est pas la petite bouteille qu'on a pris, ouais. Ouais, j'ai 3 jours de week-end, hein, faut qu'elle nous fasse. C'est le week-end de Pâques. On a du monde qui va passer. Ouais, en plus, c'est surtout aussi le 23, donc je sais pas c'est quand le 23 d'ailleurs. Le 23, je vais plus regarder sur cet ordinateur là. Le 23, c'est quand? Mercredi, donc mercredi prochain, on est invité à un anniversaire, donc on va ramener un petit peu de Sky. Si il nous en reste un live, je n'en sais, ce sera plutôt cool. On va pas se ramener les mains vides quand même. Tchuka-tchuka-tchuka-tchaka. Ça me fait penser à Chiki Chaki. Ouais, c'était ça, je me suis craqué. La chanson la plus ridicule. Ah si, tu restes jusqu'au bout. Oh ouais, tu restes jusqu'au bout. Ouais, comme le bout de ma... Le bout de mon live, en fait. Tu pouvais le dire, hein, tu sais. Ouais, mais non, ça aurait fait un peu porte-manteau, surtout. N'importe parce que tu nous aimes, hein, l'ami, parce qu'il nous aime. Oh, c'est trop gentil. Mais c'est trop mignon. Tu nous aimes d'amour et 3 petits points en plus, oulala. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Je sais pas, 3 petits points, 3 petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Je suis le poinçonneur. Delila. Delila. Si, moi je reste jusqu'au bout. Ouais, Sherlock aussi reste jusqu'au bout. Celui qui restera le dernier connecté aura cette magnifique... Non, je déconne, je sais pas. Ça dépend de ce qu'on aura dans les autres. D'ailleurs, je vais pas tarder à aller péter l'autre Kinder. Et veux-tu que je te ramène ta petite salade? Pas manger et jouer. Non, mais pour tu mangeras quand tu voudras. Moi, j'ai un peu faim. J'ai un peu faim. La boue de ma bite. Ouais. ça veut dire que... Dans ma tête... Ok, j'ai un nouveau contact. Il nous baise. Il nous baise dans sa tête. Oh là là. Mais c'est moi qui est parfait. C'est moi qui est dégueulasse. Personne ne battra le chat. Ah, le chat, pas le chat. Le chat, Raziel. Parce que le chat, la dissidence de mercredi. Je sais pas où t'as vu un chat dissident. Un chat dissident, je veux bien, je suis d'accord. Mais si, ça risque de partir en sucette ce soir dans le chat. Mais non. Mais si, moi j'aime bien la sucette. D'ailleurs, oui. Avec du coca, c'est mieux. Parce que je suis pas un... Cyril Edouard pur, non. Non, ça va aller. Non, mais y'en a pas énormément de whisky. Toi, tu bois quasiment jamais du whisky pur. Ah si, le cardu, je l'aime. Ouais, le cardu, ouais, le whisky à 40 euros. La bouteille de 70 centilitres, youhou. Ah, tu m'étonnes, tu le bois pas. Il a un petit goût de noix de coco, je trouve. Ah, il est excellent, c'est sûr. Ouais, il est trop bon. Et ça reste fort, hein.
Mais tu verras, Raziel, on fera aussi un gros chat de la dissidence quand tu viendras live le vendredi où tu viendras pour le Stunfest. T'as intérêt de venir, moi, Raziel. Ah, mais t'as intérêt. Un intérêt bancaire, même, je dirais. Non, mais ce serait super cool, quoi. On ferait un putain de salon et tout, quoi. Ça va être excellent, hein. Et puis, ouais, on ferait, du coup, quand tu viendrais, normalement, si t'arrives dans l'après-midi, ça nous serait bien le temps de préparer le live, tranquille. Elle veut plus, je suis bloqué. Je pense qu'on ferait une soirée rétro gaming pour le... Alors, attendez, ce sera la soirée Allez. Le vendredi 2, donc pas vendredi prochain, mais l'autre, ce sera une soirée entièrement rétro gaming en live. Avec The Dark Raziel en invité en live chez nous. Et ouais, ça c'est la classe. La méga classe. Oula, j'ai pas tout lu. Oh, mais c'était trop fou avec le vaisseau. Le vaisseau Phallus. Oui. Oui, effectivement. Le vaisseau Phallus. Mais il ressemblait vraiment à un Phallus aussi, ton vaisseau quand même. Faut le dire. Faut dire ce qui est. Je vais manger de la purée et des quenelles. Ok, ouais, bah bon appétit. C'est qui dit ça? C'est Charlotte. Charlotte. Charlie. Et son méchoui. Mais oui, mais tu vas pas être malade, mon coco. Mais c'est quoi un méchoui au fait? Parce que l'autre jour, Charlie, tu nous as parlé de méchoui, mais je sais même pas ce que c'est. Non, il m'a parlé de méchoui, ça m'a fait peur. Mais je sais même pas ce que c'est qu'un méchoui en fait. Je te dis, hein, Charlie, c'était une phrase digne d'un film d'horreur kitsch. Qu'est-ce qu'un méchoui? C'est un plat. Mais je sais que c'est un plat, mais c'est quoi comme plat? Moi je reviens, je vais chercher un petit peu à manger parce que j'ai un peu faim. Bah vas-y, ramène. Aïe! Moi une salade aussi. Salade de je te pète devant mon père. Ce mec est un gros malade. C'est clair. Du coup, attends, il veut que tu fais une petite salade. Oui? Toi, t'as que ta salade là. Ouais. Ok, yes! Tiens, ça du tout. Ah, donc, oh, désolé. Ma petite salade et mon petit sandwich. Je vais pas faire de pub, hein, je vais éviter. Et, enfin, je dis, je vais pas faire de pub, mais si, en fait, on parle de cheeseburger et tout, je m'en bats les couilles, c'est un gros sandwich donut XXL, comme ma bite. Et, parce que j'ai faim. Et voilà! Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le Kinder? On va voir ça tout de suite. Tiens, tu peux mettre ça dans la poubelle, si t'as bah, pas l'idée? Bah, bouge tes fesses. Allez, femme, pas... jette ça à la poubelle. Voilà. Oh la meuf! Ça m'a fait dire tomber! Moi je vous merde, vous et votre Stunfest. L'année prochaine tu seras là. L'année prochaine, Coco, on va t'inviter. Ok? Tu pourras venir comme ça. Sandwich donut. Ouais, bah ouais, du donut. Donut. XXL, ouais, comme ma bite. Alimentation à base de sandwich triangle. Non, tu viendras pas, non. Ah, poil, t'as oublié bite. T'énerve pas, mon canard, je veux pas. Si tu veux, grave en fait, espèce de mytho. Oh là là, le mytho à plume, quoi. C'est un mytho à plume, un Tibet. Oh ouais, j'aime quand il me touche l'œuf. C'est qui? Attends, je fais tomber le chocolat en plus. Voilà, tu fais tomber du chocolat. Ouais, c'est Iron Man. C'est une vraie gamine. J'adore. Voilà. Allez, pardon. Voilà, hop là. Hop. Avec du chocolat. C'est bien. C'est un Iron Man en chocolat. The Avenger. Alors, on a Iron Man, on a Hulk, il nous manque, et on a Captain America. Captain America et Thor. Et Thor. Et ben, j'espère qu'on va pas tomber sur encore Iron Man ou Hulk. Ce serait dommage. Et ben voilà, Iron Man à côté de son pote Hulk. Hop là. Bon, hop, désolé pour le bruit. Ça, c'est vrai que c'est le genre de truc qui casse-couille.
Je veux pas, mais si tu veux grave en fait. Le Stunfest, ça pue du cul. Non, c'est le meilleur festival de France de jeux vidéo. Donc c'est excellent. Les Geek Fair aussi, c'est excellent, mais nous n'y Ça sommes a été encore jamais annulé. allés. Ouais, mais il y aura l'année prochaine. Non, on devait y aller cette année, mais ça a été enfin, l'année dernière. Spider-Man, il n'y a pas Spider-Man. Oh là là, comment Razia, il te clash! Quoi? Chatoum! Mais... Avenger, il n'y aura pas Spider-Man. Bah non, 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 The Avenger. It's not Marvel. Marvel. Comment je le prononce trop mal? Marvel. Je sais pas s'il y avait Je sais des. pas S'il si y en le. avait d'autres avec des personnages Marvel. Je sais pas, non, là c'était que des trucs The Avenger. Là oui, mais je sais pas s'il y en a d'autres. Marvel. Comment tu Marvel. écris ça? Je sais pas, on le dit comment? Marvel ou Marvel? Marvel? Franchement, enfin, je suis Non, mais sûr en Marvel. anglais. En anglais. Le méchoui est un repas où on cuit un cochon en entier. Ah bah un cochon grillé quoi! Ouais, du cochon grillé. Mais c'est bon le cochon. Tu es arrivé! Tu veux Captain America? Bah, on l'a pas pour l'instant. On verra si on l'aura tout à l'heure. Bon, c'est où son point là? Tu veux aller ouvrir le dernier, voir Et si. dire que les autruches sortent à peu près un truc de cette taille-là de leur cul? Eh bah putain! Va ouvrir le dernier, on va voir si on l'a. Bah non, je peux l'ouvrir tout de suite le dernier. Arrête, il y aura plus de place après. Même dans notre estomac. Mais c'est pas grave, on mettra au frigo. Mais t'adores Momo, va. Chatoum, je suis pas sûr qu'elle adore, franchement. Si elle aurait pu dire à sa mère, ne m'appelle surtout pas comme ça, je crois qu'elle l'aurait fait. Je crois. Bon, ça, c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant. Venant de ta mère. Mais venant de quelqu'un d'autre, déjà, ça fait un peu plus chier. The Avengers, c'est Marvel, bande de zizi. Mais oui, mais non, mais c'est une catégorie spéciale dans Marvel. Spider-Man, c'est Marvel, mais c'est pas les The Avengers, quand même. Une lampe torche pour fusil. Tout est bon dans le cochon, mais clairement que tout est bon dans le cochon. C'est bon, ça passe. Non. Vous savez où ça les lampes torches pour Oh oui, non, fusil mais là? oui, ça passe grave, hein. Moi, je m'en branle, hein, royalement. Ça me fait plutôt marrer, hein. De quoi? Chatoun! Oui. Suspense pour le dernier œuf. Ouais, suspension même, je dirais. Non, ok, j'arrête mes blagues pourries. Ah, c'est des New Avengers? Ah ouais, bah ok, respecte mon autorité, biatch! Bah, moi, je vais manger ma salade alors, hein. Je sais pas ce qu'il faut que j'achète là, ils me font chier. Moi, c'est surtout les jeux vidéo, mon petit canard. C'est pour dire, mais mon manga Zelda, je l'ai toujours pas lu encore. C'est pas bien. Je devrais. Merde. C'est vrai que je lis jamais. Et du coup, j'ai de grosses lacunes en lecture. C'est pas bien. Du coup, je lis un peu comme une bouse. C'est marrant, dans leur boîte Sodebo, ils mettent un gros logo Sodebo à un endroit où ça sert totalement à rien, en fait. Regarde. Pourquoi ils mettent un logo à l'intérieur? Comme ça ne sert à rien. Un bon appétit, merci. Un fusil à pompe avec une lampe torche, Morgane. Un fusil à pompe avec une lampe torche, Morgane. Mais ouais, mais il est où? Non, tu t'es trompé. Un fusil à pompe avec une lampe torche, surtout. Mais c'est où tu vois là, les fusils à pompe? J'ai pas mon fusil à Bah pompe. si, là, C'est voilà, ça? ici, tu prends, tu l'as déjà. Tu achètes la torche, le silencieux, c'est de la merde. Et cartouche, monte dessus. Cartouche. Tu fais que. Non, carré. Voilà. Une croix. Et voilà, t'es à fond. Et toutes les armes, tu fais comme ça. En fait, carré, c'est pour un raccourci pour pouvoir prendre toutes les munitions d'un coup. Alors, petite salade d'œufs et de poulet et des pâtes. Et des tomates cerises. Tu voudras mes tomates? Bah, ouais, peut-être. Enfin, je sais pas, non, il va y en avoir beaucoup après. Ça va m'en faire trop, j'en ai déjà pas mal. Ah non, je réfute un fusil à pompe avec une lampe torche. La pika shooteuse. Ah ouais. Pika shooteuse, ouais, c'est vrai que j'avoue là pour le coup. Ouais. Pika shooteuse, plutôt. T'as raison, Randy. Allez, recule avec ta caisse de mort. Chatoun, j'avais oublié Charlie. And merde, j'ai pas secoué. J'ai pas secoué ma vinaigrette. Oh ouais, secoue la vinaigrette. Bon, tu montes tête de bite. Hein. Tête de bite. Je l'avais oublié.
Tout comme Charlie avait oublié ton petit nom. C'était bien. C'était bien. Tant mieux. Non, mais je m'en fiche. Appelez-moi Chatoune si vous voulez. Ouais, j'ai de la poubelle. C'est par terre comme ça, moi. Je suis un... Mais quoi, t'as fait quoi? Non, mais non, mais t'inquiète, c'est dans le gros truc. Non, t'es ouf, toi. Non, non, c'est bien, bien compact. Heureusement, Morgane est là. Elle m'a... Non, putain. Heureusement, Morgane, elle m'a... Elle... Ça veut rien dire. Heureusement, Morgane, elle m'a, elle, sera perdue dans le jeu. Ah oui, parce que je savais pas quoi fallait que j'achète. Quoi que j'achète? Quoi que j'achète? Mais parlez français. Déjà que j'ai du mal à lire, alors si en plus vous parlez pas français, ça va être chaud. Ah merde, c'était là. C'était l'aime, c'était l'aime. C'est là. Ah, ça passe. Dans ta gueule. Oh bah vas-y, genre, y'a une pauvre truc, faut que je me le mange, quoi. Normal. Ouais, enfin Charlie, ouais, ouais. Si tu veux. Si tu veux. What? Chatoune, 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 chatoune. C'est pas abusé avec les chatounes, hein. Apparemment, les gars, ils ont pas apprécié de pas jouer en ligne avec nous. Un hein, genre, il dit, ils sont barrés. Ah, genre, il a des problèmes de connexion, un truc de ouf. Fait que de quitter, de revenir et tout ça. Ah, hey, y'a Clermont-Ferrand. Ta gueule. Mais je sais pas pourquoi, c'est marqué Clermont-Ferrand. T'habites Clermont-Ferrand, hein, Jean? Bizarre. Non, c'est que moi aussi j'ai faim, là. T'as dit le qui me chatouille, si t'es champion, pas donc à Carcassonne. Plus bas, mon mouchon. Ok. Bah ouais, mais je sais pas pourquoi ça marque Clermont-Ferrand. Ah, tic-tac. Dans ma face. Ah, couvert. Je vais goûter leur petit truc là, je sais pas trop c'est quoi. Bah c'est pas dégueu hein. T'es trop drôle en vrai. Non, j'avoue, tu me fais bien marrer. Mais tu fais bien marrer Morgan et tu fais bien marrer d'autres personnes qui connaissent, que je connais aussi. Oh, c'est bah, plutôt voilà. Marrant. Tiens, bah vas-y, je suis morte. Donc, tu vas faire une vie. Vas-y. Ah, oh, je suis deg. Alors, je me fume une clope aussi après. Hop, on va réessayer. C'est moi qui prends le relais. Ah, ça va pas être la même, hein. Quelqu'un qui a l'habitude de jouer. Je sais pas, non, c'est pas sûr. Eh bonjour. What, oh, elle était trop bonne. C'est pas un truc de régime, ça? Si. Elle était trop bonne. Si toi aussi t'as rigolé grâce à ma blague, tape dans les mains. Pour me la faire savoir. Ouais, parce que non, mais en fait, j'entends tout ce que vous dites. Vous le savez pas, mais... J'entends tout ce que vous dites, tout ce que vous faites. Tu veux manger des tomates cerises? Tidak, s'il te plaît, arrête de te toucher, ça me perturbe. What? Il a niqué mon pote? Je suis trop pas d'accord. Je veux enlever la lampe torche parce que ça m'énerve. Voilà. De la vie, ça me sert à rien parce que je suis toujours mon gilet pare-balles. Ok, faut aller là-bas. Ouais, moi je suis un malade. Allez, recharge, boum. Voilà, crève aussi. Where are you going? Where do you do? Lis le chat, hein, n'oublie pas. N'oublie pas de lire le chat, c'est super important. On ne sait jamais si François Hollande se connecte et vient nous parler. Je fais rire des gens, c'est vrai. Il faut bon qu'on lui dise Morgan, okay, de se barrer. Non, bon c'est appétit, moi, c'est moi bon qui bon fais appétit, rire. Merci, merci, merci. Merci à tout le monde pour ce bon appétit collectif.
Mais ouais, non, c'est moi qui ai demandé si je les avais fait rire et tout. Toi, tu ne fais pas rire les gens, c'est bien connu. Gros enculé que je suis. Non, mais c'est pas grave, je m'en tape. Tu t'en tapes? T'as ta salade? C'est bon, ça. Voilà. Non, mais je rigole, en plus, tu me fais rire, moi. C'est l'essentiel. Ouais. Non, mais c'est vrai, des fois, je te dis, hein, sors un peu plus de blagues et tout, parce que... Des fois, Morgane, après une émission, elle me dit « Oh, j'ai pas osé dire ça !» Mais si, ose, c'était super drôle, t'aurais trop dû. Et c'est un peu dommage. Ouais, oh. Mais tu kifferas de plus en plus. Voilà, il y a pas mal de monde là, et j'ai que un pompe, et ça me pompe l'air. Tu peux pas changer? Bah j'ai pas de mine sur les autres. Mais casse-toi, toi. Arrêtez les mecs, vous avez pas compris que j'étais invincible. Je suis Dieu pour vous. Bah après, c'est sûr que si vous croyez vraiment en Dieu, vous allez dire « Fuck, c'est pas Dieu hein. !» Dieu ne se trimballe pas avec un fusil à pompe et tire pas sur tout le monde quand même, voyons. Il y a un peu plus d'éthique que ça. Faut que j'aille où, là? Fuck, j'aille où? Ok, les gars. Ah bah, c'est en face. De la vie. Mieux que moi, tout à l'heure, il y a une porte qui a explosé, je suis morte. Hein. Ah, mais moi, je suis pas comme ça, moi, je... Je reste pas derrière les portes. Moi, je... Voilà, déjà, je prends le fusil d'assaut. Bon, les gars, est-ce que vous êtes prêts? Oh là, oh là, oh là, 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 il y a des hélicos et tout. T'inquiète, petit duck, il n'y a pas de souci. C'est la folie. Quoi que dit-il? Il dit qu'il va m'apprendre l'humour, la petite duck. Ah, ah, yes. Ah, mais à moi aussi, il faut que tu me l'apprennes, hein, parce que mes blagues de merde, ça commence à suffire, hein. Allez, monte plus vite pour lui renifler les fesses. Oh ouais, renifle-lui les fesses. Et il commence à me casser les couilles à cet hélico. Voilà, meurs. Meurs comme un bon copain. Bah voilà. C'était pas si compliqué. Ouais, n'oublie pas de lire le chat, bébé. Mais ok Ludo, mais faut que tu me laisses gagner à Worms. D'accord. Je te laisserai gagner à Worms le jour où tu seras bon. Oh, oh, comment je t'ai clashé. XPTDR lol. Non, c'était nul en plus. Non, en plus t'es pas si mauvais. Tu m'as battu plus d'une fois quand même. Tu m'as battu pas mal de fois. Il y a un soir où. C'était vachement plus pour toi que pour moi. Bon, faut que je sème les flics, je pense. Alors, le mieux pour ça, c'est de rouler comme un gigolo. Pourquoi comme un gigolo? J'en sais rien, pourquoi j'ai dit ça. Comme un narvalo. Pas un gigolo, je suis trop débile. Eh ben, bonjour, je vais dans un endroit où ça sert à rien. Et on se casse vite fait. Parce que là, c'est pas que c'est showtime, mais j'ai bien envie d'aller là. Voilà! Bah là, ils sont tous à ton cul en fait. Ouais, bah plus pour longtemps, hein. Je te le dis, moi. Oh, 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 genre, y'a un tout petit truc, hey, ça me fait voler. Les feuilles de salade, elles sont énormes. Énormes comme ma bite. Regarde. Oh non, ma bite est bien plus petite. Moi aussi j'ai de l'autodérision, tu vois, tu disais j'en avais pas. Alors, grosse news non, de la semaine, l'énorme youtubeur T-Duck a interviewé les talents les deux Marianne, merci. Mais c'est des cons à ce qu'il paraît, ils ont une chaîne de merde. J'ai été voir l'autre jour, j'aime pas. Et. Merde. Jean il dit bon appétit. Merci Jean. D'ailleurs, ma salade va refroidir. Non, c'est nul. J'arrête mes blagues de merde. Que si vous rigolez au moins une fois. Oh. Bon, c'est quand que je sème ces flics? Parce que c'est pas qu'ils sont durs à cuire, mais quand même. Bah, ils sont sympas, mais ils sont... De quoi? Je vais pas t'en venir, je vais me vautrer. Bah, ils sont sympas, mais ils font tout ça pour le fric. Bah ouais, clairement. Ça se voit grave.
Yeah, il me semble qu'ils sont pétés de thunes grâce à leurs vidéos, ces cons. Grave. Ils roulent en Ferrari et tout maintenant. Une Ferrari. Non, en plus, elle est véridique. Ils roulent en voiture de collection. Ouais. Ouais. Parce qu'elle a plus de 25 ans. C'est une 205 toute pourrie. Mais notre voiture est une voiture de collection. Elle fait partie des voitures de collection. Eh oui. Elle a 27 ans. Mais elle vaut que dalle. Parce que c'est de la grosse boude en. Bouse. La boude. C'est de la grosse bouse en boîte. Mais avec 4 roues. Tiens, je vais aller repeindre la voiture comme ça. Ça servira à rien. Parce que je vais. Non! Non! Il y avait. Merde! 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 On dirait un gamin. Faut que j'arrête. Ah, Charlie Lemaire. Tu dis que tes interviews sont les meilleures. Tu es le king of YouTube. Yeah! Et T-Duck, mais surtout normal, oh, magnifique. Genre, joue aux jeux vidéo et je monte mes boobs. Ah, mais Morgane, c'est clairement ça, de ce que j'ai vu de leur vidéo, c'est, vas-y, poitrine en avant. Ah bah oui, clairement. Déjà, en plus, elle teste que des jeux qu'elle aime pas. Déjà, faut le savoir, Ludo, c'est pareil. Il fait croire qu'il aime les jeux, mais que dalle, en fait. Les gars, il fait même croire qu'il est né en 89. Et qu'il a connu la Mega Drive et tout ça, alors que c'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Oh, ça glisse. Bon, salut les gars, vous avez des voitures super sympas, je trouve. Et vous savez quoi? Allumer. Mais non, regarde. Ah bah en fait, il y aura plus de voitures. Ils se sont barrés avec. Bon bah les gars, on se barre. Je voulais juste faire un petit meurtre supplémentaire pour leur piquer leur bagnole. Que dalle. On va aller dans les égouts pour échapper aux flics. Voilà, on est pas mal là. Comme ça, la mission va pas trop tarder à s'arrêter. Et les amis, nous sommes toujours à 1892 drops depuis le début du live. Donc depuis qu'on a bien quitté le online, il n'y a plus un seul drop, c'est juste génial. J'en profite pour grignoter un peu. Profite, profite. Ah. Tu lis pas tout, hein. Ah, j'ai pas fini. Charlie T2, tes interviews, ok, merci de le remarquer, ouais. Ok, il y a plus... lis le chat. Ah non, mais je mange. Bah tu peux manger en lisant, quand même, non? T2, genre Morgan, égale boobs en avant, cheveux bleus et sextape. Oh, oh, bah non, il a pas les cheveux bleus. Là, tu fais trop référence à une certaine personne. Je ne citerai pas de nom, parce que je suis pas là pour clasher... Et vas-y, elle aimait, et ils font des semblants d'avoir d'ambiance de ouf avec leurs commentateurs et tout. Mais grave, ouais, en plus, ouais, ils ont une émission où ils utilisent quelqu'un pour commenter les vidéos. Je crois que c'est The Dark Raziel, un truc comme ça. Un truc comme ça, ouais. Mais attention, mais franchement, ils ont fait une vidéo genre sur Mortal Kombat apparemment qui a plutôt bien marché. Non, mais voilà la gueule des gens qui regardent les vidéos, quoi. Non, mais. C'est de ouf, hein, franchement. Jamais je mettrais une minute de leur vidéo, tu vois. Enfin, je dis ça, je l'ai déjà fait, hein. Sinon, si je l'aurais pas fait, je pourrais pas avoir mon propre avis. Ah mais non, j'ai cliqué sur la vidéo, je mets pouce rouge et basta. J'ai cliqué. Je m'appelle Trollman, je vais sur les vidéos, je mets des pouces rouges et je quitte direct. Parce que je suis jaloux. ça me fait marrer. Je m'appelle Trollman, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Trollman. Salut, c'est moi, Trollman, connard. Allez, faut tiens. Faut pas citer le nom, Alice Bodygirl, lol, j'ai des nichons. J'ai des nichons. J'ai des nichons. C'est son nom de famille, j'ai des nichons. Alice Bodygirl, j'ai des nichons. Non, mais on ne citera pas de nom. On ne citera pas de nom. Ah là là. Bon, elle fait bien ce qu'elle veut. Oui, c'est bien. En tout cas, vide YouTube, et c'est une belle chose, car YouTube est un véritable métier, et il faut vraiment en être conscient. YouTube est un métier à part entière. Faire des vidéos, ça prend du temps, ça demande de l'investissement, niveau temps, niveau argent aussi, hein, mine de rien, un petit peu. Mais quand t'aimes faire ça, en tout cas, bah, c'est cool. Et si t'arrives à en vivre, bah, c'est juste génial, tant mieux pour eux, hein, ceux qui y arrivent. Elle est bonne cette salade, ouais, elle est super bonne. Je croyais que t'allais parler de Alice. Non, j'arrête de citer des noms. Sinon, on va se faire repérer, mais dans le mauvais sens. C'est pas le but.
Plutôt que je m'entame, je regarde même pas cette vidéo. Ah, mais clairement que moi aussi. Mais en plus, c'est même pas vraiment ses vidéos, parce que c'est son frère qui fait le travail. Ouais. Mais enfin bref, on n'est pas là pour juger. Je suis désolé, je mange comme un porc. Bah. Mais va faire caca, mon cher ami, va faire caca. Charlie, alors je fais des vidéos de merde pour l'instant. Bah, pour l'instant, faut changer les choses pour éviter de faire les erreurs qu'on fait dans le passé. Ouais, c'est profond ça. Bah, non, mais pour l'instant, s'il y a rien qui suit derrière, faut changer. C'est ça le truc. Faut changer la manière de faire, la manière de travailler. C'est ça aussi qui est assez difficile sur YouTube quand on commence. C'est qu'on n'a pas forcément d'avis de retour dès le départ et on sait pas trop, c'est difficile de juger soi-même. C'est clair. Et plus t'as une communauté qui est active et grande, nombreuse, bah, plus en fait tu peux te prendre un avis général de ce que t'as, de faire une moyenne des choses, et donc tu sais quand même plus ou moins si ton travail est bon ou pas. Tu sais ce que t'as à corriger du coup. Et chose qui est très très importante. Donc, Michael rentre chez lui. Amanda! Tracy! Oh, oh! Vous êtes tout bande de connards! Et puis, il se rend compte qu'il est encore tout seul chez lui. Et pourquoi? Elles sont mortes. Parce que sa pute de femme est avec le prof de tennis! Ah oui, je me rappelle de ça! C'est une salope! Amanda! Sors cette raquette! Eh ouais, m'en souvenez bien. Faut lui péter la gueule! Putain, il a une classe folle dans son slip léopard! Il est 21h10 à 21h30, on va faire une petite pause comme ça, on va pouvoir manger un petit peu tranquillement pendant 2 minutes là. Et puis moi ça me permet de couper aussi les enregistrements pour les rediffusions, ce qui sera beaucoup plus simple. Donc il y aura d'ici 20 minutes, il y aura une petite pause, une petite courte pause. Et la course poursuite, suivez le prof de tennis. Et mettez-lui une raquette dans le rectum pour qu'il comprenne sa douleur. Et pensez à la balle de tennis aussi. Donc là, je vais juste dépouiller la tronche, je crois. Je sais plus. Ou alors, non, on va le suivre jusqu'à... Tu le fais brûler dans sa voiture. Non, on va le suivre jusqu'à la maison, je crois. Qui n'est pas sa maison. Ah non, c'est le prof de yoga. C'est pas la même. Elle se tape aussi le prof de yoga. Oh, c'est une pute ta femme. Vas-y, bouge de là. Ouais, voilà, merci. What? Il est parti quelque part. Ah non, ouais, non, si, c'est... Conduisez jusqu'au canyon. Non, non, si, c'est bien ça, avec le treuil et tout. On a la bonne voiture, c'est bien ça. Là, on va détruire. C'est une mission qui m'a particulièrement fait kiffer, celle-ci, d'ailleurs, quand j'avais fait le jeu. Ouais. Ouais, parce qu'elle est cool. Elle est super cool. Je sais pas si ça s'agite ou pas sur le chat. Là, ouais, vous allez voir, c'est génial ici, la mission. Le vitre pas solide. Les vitres? Les vitres de quoi? Ouais, j'ai pas compris non plus. On a dû péter des vitres dans le jeu, là. Mmh. Hey, donc, il a traversé la fenêtre, le prof. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Exact. Bah oui. Oui, c'est vrai, bah, c'est du cinéma. Peut-être elles explosent avant. Ouais, ou alors elles sont pas vraiment... c'est chiant à apprendre à percer les tomateries, voilà. Donc d'ailleurs, cette mission c'est même, on peut dire, la mission qui va un peu lancer le jeu.
Parce que là, voilà, on s'aperçoit que ça, notre femme est une grosse salope, qu'elle nous trompe avec le joueur de le prof de tennis. Pas que. Et pas que, oui, enfin bref. Je sais plus si elle nous trompe avec quelqu'un d'autre, mais c'est pas le seul avec qui on va. C'est toi qui as parlé du prof de yoga. Hein. Ouais, ouais, mais il me semble aussi. Enfin bref. Là, on va, vous voyez bien, on attache le truc au pilier, on va lui péter la maison. Sauf que. Il est avec sa femme là. Non, il n'est pas avec notre femme là. Non, non, avec sa femme à lui. Ah non, lui, lui il a pas de femme. Hein. Bah, il était pas avec une meuf là. Bah, c'est pas forcément sa nef. Ah, ok. Donc là, j'accélère comme un porc épic. Et voilà, vous voyez, hop, ça va se détruire. Le truc, c'est que c'est pas sa baraque. Je vous spoil pas, de toute façon. Batterie de la manette, une faible. Attends, t'as le temps encore. Ouais, on a le temps, mais de toute façon, c'est pas bien gênant. On a l'autre qui a rechargé juste à côté. Allez, avance, voilà. Hop là. Et en fait, c'est la baraque d'un... d'un putain de mafioso. Ouais, mafioso. Ouais. Donc, c'est chaud. Eh bah putain! Cette mission est cool quand même. J'ai pas réussi à faire caca, mais on est content de le savoir. C'est dommage! Hop, donc là, bon bah maintenant je me casse. Je vais retourner là-bas. Monsieur Santa, vous êtes fou. C'était pas chez moi. C'est des conneries! Pauvre prof de tennis. Je mon téléphone, tu es un homme mort. Toi crevé, Martin Madrazo, tu es toi, toi mort. Enfin, très français en plus. Mais ça doit être une espagnole. Oh, je suis mort de peur, limite terrifié. Il est un peu ouf quand même, Michael. Toi crevé, Martin Madrazo, connasse. Ah oh merde, il y a du monde, il y a du ouais. People. Oula. What? Ah là, il... faut pas de cadeau. C'est numéro 10 l'architecte ou quoi? Numéro 10 l'architecte? Non, numéro 10, il fait des trucs pas si mal que ça au final. Regarde le palais, il est magnifique. Alors, bande de cons, on récupère le pognon au passage. Ouais, fallait les semer, tu les as tués, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais, mais les semer, j'étais juste devant chez moi. J'allais pas faire un tour d'une demi-heure. Ah ouais, Franklin, il est comme ça, il décide de monter à l'arrière. Chauffeur. Chauffeur, si t'es champion. Alors, attends, est-ce que ça marche, ça? Non, j'essaierai, je vais essayer... Ah ouais, mais non, il faut un autre joueur, c'est vrai. Un truc pour bloquer, ou alors une moto, ou un vélo. Le bug du portail. Mais non, mais je suis sûr, c'est parce que t'es rentré par une autre porte et que du coup. Non, je te parle d'un bug que quand tu sors, c'est de tchou, t'es éjecté, mais super. Comme la de la balançoire. Dans GTA 4, ouais. C'est ça. Mais non, Wesp, numéro 10, il fait des trucs cool quand même. Regarde, la grande allée avec plein de statues, qu'il appelle la grande allée avec plein de statues, elle est super cool. D'ailleurs, je me remettrais bien ce film. Ça fait un bail, je l'ai pas vu. Tu sais continuer, je vais manger un peu. Vas-y. Donc lui, c'est celui dont j'ai pété la balle à baraque. C'est ça. Non. Franklin. Maybe help Mr. DeSanta here. Who am I? Ouais, bah du coup j'ai trop bouffé. Le Nutella, enfin le Nutella, le Kinder, plus... Ouais. La salade, tout. Moi ça va. Casser ta gueule. Ouais, il va sûrement nous casser la gueule, oui je pense, mais non. Mais non, je serais prête à me défendre. Enfin, il veut. Ah si! Oh bah merde! Attends, je prends la manette, hein! Ouais, non, il nous met que un coup. Ouais. Il nous met que un coup. Il a un peu peur quand même.
was a strange house for a tennis coach. I was thinking straight. Clearly. Yeah. Mais le mec, il a le pognon de s'en fabriquer 15 000 des baraques. Ouais, c'est surtout sa femme qui devrait engueuler, c'est pas le mec. Le mec, il a juste tiré son coup. C'est la femme qui a fait la salope. Ah, il a pas tiré son coup, il a tiré sa baraque. Non, mais je parle de... Et de l'autre mec. Ouais. L'autre mec, il a pas fait grand-chose, quoi. Il a subi ses besoins. Mec, il est déjà mort. Non. La faim, bah mange. Mange mon petit duck. Mon ch'ti canard. J'arrive pas à passer les cinématiques. On est mort de rire. Bah, fais start. Je peux passer. Ça vous dérange pas si je passe les cinématiques? Voulez-vous qu'on passe les cinématiques ou non? Dites-le nous. C'est vous les patrons. Oh ouais, j'aime ça, gamin. J'ai mal fait. La meuf, je la castre. Et le mec, je lui arrache la langue. Et les couilles aussi par la même occasion, c'est cool. Bon, bah si ça vous gêne pas, je les passerai maintenant. Tiens, Ludo, je serai pas dispo du week-end. T'es pas du tout là ce week-end? Nous, c'est que dimanche qu'on n'est pas là. Une voiture. Moi, ça me dérange pas. Non, ouais, pour les cinématiques, moi, ça gêne pas que tu passes les ciné. Moi, je pense que vous l'avez tous fait, le jeu, non? Ah, Franz, il est pas connecté, d'ailleurs. Il voulait le voir, le live. Il passera peut-être tout à l'heure. Peut-être. Je sais pas. Ouais, alors bien. Alors, où c'est qu'on va aller? Où c'est qu'on va aller? Voilà. Oula. Si, je suis chez moi, mais j'ai une copine. Une copine qui pionce à la maison. Une copine, ouais. Attends, c'est par où? C'est par derrière. Raziel, des fois tu me fais peur. Franchement. Doc, hey. Michael, I'm looking through my appointment book and I don't see your name. Yeah, well, I'm more of a walk-in guy, Doc. You know that. Walk-ins are more expensive, but. Oh la 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 la. Sure, you'll accommodate me as long as I get. Bah ouais, donc copine, y'a pin. I'm in a bad way, Doc. I might come by soon. Pinocchio, madame Bertrand, vous avez des filles, Pinocchio, madame Bertrand, vous avez des filles concues trop lent. Sympa. Là, les références du mec. Moi, je préfère la petite Huguette. Elle est sympa, la petite Huguette. Mais il y a Ko aussi, ouais, mais Ko. Bon, on va aller faire du vélo. De la barbarie, de la poésie et du feu. Ouais. Donne un tam, t'aigu, la digue du cul et pas la digue de l'U. Merci, Tidek. Bon, je vais essayer de dormir malgré mon origine. Ah, t'es malade, c'est vrai que t'avais mis que t'étais malade à crever. Bah, rétablis-toi bien, mon petit ouais, Alex. Ouais, rétablis-toi bien. Mon petit Alex. Mon grand Alex. Et puis, bah, bonne nuit et bon courage à toi pour demain, pour le travail. On te souhaite une bonne soirée. Bah, toi aussi, ouais, merci. Et pendant la pause, je vais refaire un petit coup de pub sur Facebook. Je pourrais en faire autant.
Oh là là. Ah bon. Tu sais que c'est loin ou la location de vélo là? Peut-être. Bah oui. Bah tu vois, la carte est grande. Hein. En fait, toi, tu y as vraiment peu joué. C'est moi où leurs fourchettes, elles sont vraiment à chier. Elles sont vraiment à chier. Oh. Alors, ça va, c'est 6h-12h demain. Après, on reprend que mardi à 13h. Ah, t'es d'après-midi la semaine prochaine, ça c'est cool. Moi, je veux aussi, j'enchaîne les matins et je dors pas beaucoup. Fuck. Ouais, bah bonne nuit à vous les gars alors, hein. C'est dommage, c'est dommage. Mais sinon, ouais, il y aura les rediffs hein, quand même, dans tous les cas. Mais vous pouvez voir la fin. Mais bonne soirée à vous. Bonne soirée. Vas-y, moi je prends le vélo de course. Bah ouais, au final, il va rester plus beaucoup de monde, c'est pour ça, faites de la pub de votre côté aussi. Qu'on se marre. Plus on est de fous, plus on rit. Ouais, moi j'écrase tout le monde, je suis comme ça. Ah, poteau, non, même pas. C'est vrai, hein. On rit quand on est nombreux. C'était quoi ce petit regard là? Ah, t'as pas compris? Non, moi c'est pas grave. Si, si, mais justement, j'ai compris. On rit quand on est nombreux. C'était nul, c'est pour ça. Ok. Ok, ok, j'arrête. C'est le genre de tes blagues, quoi. Moi, je trouve ça cool. Non, mais oui, c'est marrant, t'inquiète pas. Tu fais pas de pub pour des connards, mais on n'est pas des connards. C'est Ludo et Morgan, les connards. T'en veux, mais là, j'ai presque plus rien de ma salade. Et puis, je sais pas, je suis pas sûr que la salade par mail, ça passe. J'ai jamais essayé, en remarque. Tiens, je t'ai envoyé une salade par mail. Mais je fais quoi? Je fais la course avec mon fils là? Je fais quoi? J'évite juste les gens. Tu fais la course, alors t'as le choix. Tu le laisses gagner ou tu le fais perdre. Je fais pas la course quand même. Ah si pas... Si si, tu fais la course. Bah il est nul alors. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas grave. Ah oui, ok, ouais, yes. Mais si si, tu fais la course. En face. Ah non, t'as raison. Non mais si, vas-y, fonce. Et la trace. Alors soit tu fais exprès de perdre et tu le laisses gagner, il sera content. Mais il dira, ouais, t'as fait exprès de me laisser gagner parce que je suis gros. Et soit tu te prends un marchand de glace et tu te vautres comme une merde. Et après t'es bugué et du coup ton fils va gagner. Voilà, Morgan qui fait du vélo. Glace. Oh bah oui, il a gagné, merde. Ah oui, vous, c'est Morgan et Ludo, désolé. Eh ouais. Merci Ludo, je l'ai bien reçu. Je t'envoie la sauce aussi par mail. Ah. Allez, je vais lui acheter une télé maintenant. Moi, en attendant, je me fais une petite cigarette. Puis on va faire une petite pause de 2-3 minutes dans 3 minutes. Comme ça, ça me permettra de couper, de séparer un peu le live. Et comme ça, bah, après pour les rediffusions, ce sera bien mieux. Comme ça, je sais qu'à chaque coupure, il y a une pub et c'est bon. Quoi, faut que je saute là? C'est génial, il n'y a pas le bug de son aujourd'hui, j'ai l'impression. C'est vraiment cool. Je vais me faire attaquer. Donc par là, un mec, hein. C'est. Non, je pense pas. Tu nages jusqu'au yacht, c'est juste magnifique. Retourne sous l'eau, c'est juste trop beau. Franchement, ce jeu est bien foutu quand même. Le mode solo est quand même super bien foutu. Carré. Ah non, oui, c'est R1, exact. Ouah, que c'est beau! C'est super beau. J'ai pas de jauge de respiration. Si, en bas à droite. Je l'ai vu. Enfin, en bas à droite. Ça va, j'ai le temps. Non. Plus tu vas profond aussi, plus ta jauge descend rapidement.
Bon, allez, on va au yacht. Oh, Red Dead. Pourquoi Red Dead? Non, ce sera tout à l'heure Red Dead. Bah ouais, bah santé aussi, genre à la tienne. Si tu tiens un whisky aussi, on fait tous la même. Santé. Et un petit bout de l'air. Ok, je suis sur le yacht. Il y a une pouffe sur la table. Je sais pas, ils sont articulés. Oui. Ouais, ils sont articulés, vite fait. Ouais. Tu peux pas leur en demander des tonnes, hein. C'est des trucs Kinder. Hein. C'est vrai. Bon, moi j'ai Iron Man, je suis content. Non. Non, ça fait enfant. Ouais, bah ouais. Ouais, si c'est pas mal, c'est mignon, c'est sympa. Tu vas faire quoi là? Fuir. Ah oui! C'est vrai que t'as été voilà, au point jaune dans le tunnel. T'as eu dans le tunnel. Il y a un tunnel ou ça? Là, 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 dans le truc là. Chut. Oh là. Oh. T'es morte. Ta fille est morte. Non, toi t'es morte. Je suis deg. Bah non, on va reprendre juste après. On va faire la petite pause. On va faire la petite pause. Et on se retrouve dans les 4 minutes, même pas, à tout péter. Un truc comme ça. Yeah. Donc voilà les amis, à toutes.